Re-coucou les gens, je me suis mis bien dans une ambiance bien chaude pour cet épisode 5. Il est 22h moins quart chez moi, donc autant dire que là c'est l'ambiance. Je flippe déjà rien que sur le son du menu. Pas bon, pas bon signe. J'ai pas encore récupéré de cet après-midi où j'ai commencé le tournage des épisodes. Mais bon, allons-y. J'ai mis exprès la caméra en décalé. Pour que vous puissiez voilà, apprécier la vue des petites bougies sur le côté. Bon, faut aller là-dedans. On s'était arrêté là. Non. Putain, y'a quoi là? Non, c'est pas cool hein. Alors là il y a des casiers, on avait dit. Je vais pas pouvoir jouer beaucoup, je crois que j'abuse un petit peu trop sur l'ambiance. Que je rentre là-dedans. Là, on voit rien. Putain, c'est chaud, c'est chaud. Je suis claustrophobe. Oh là, le son. Ouah, c'était quoi ça? Vas-y! Qu'est-ce que c'est? Trouver une issue permettant de quitter les égouts. Non mais y a pas de souci hein. Message gribouillé au crayon. Au verso d'un formulaire d'admission, l'écriture correspond aux échantillons d'un patient, Père Martin Archimbaud. Ce dieu existe.
Il n'est autre que ce que nous avions longtemps pris pour des fantômes, des esprits, des manifestations de la folie. Nous ne faisions que nous voiler la face. Les écailles des yeux de Saoul n'étaient que la peur, et la vérité apparaît dès que l'on regarde au-delà. Tel est le ton de Wild Rider. L'évangile du sable, le plus grand péché au monde, est l'ignorance délibérée de Dieu, recevoir la révélation et de ne pas la transmettre au troupeau qui attend et espère. Cet endroit, il n'est pas de châtiment assez grand pour celui qui se dresse sur la voie du salut. Ça va. Je vois rien. Franchement, j'ai envie de fermer les yeux de moi. Oh là 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 là. Nouvel objectif. Évacuer l'eau en actionnant les deux vannes. Putain. Vas-y, saute. Saute. Comment je fais? Je déteste ce putain de jeu! Merde! Forcément arrivé là. Il arrive. Voilà, casse tout. Normalement, je risque rien là. Et comme d'hab, tu fais le casier à côté. Faut pas être trop, hein. Faut pas trop en demander. Vas-y, barre-toi là. Reviens là! Mais comment je fais là?
Re-Space. Re-Space, pardon, j'ai changé la caméra de côté, ça me perturbe. Ouais, grave. Je me suis mis bien en ambiance, t'as vu? Oh là là! Oh, il est où là? Oh, je veux pas! Oh! Où tu te caches? 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 Putain, mais. Ah, mais je peux pas là! Pas où je vais, hein. Je suis perdu là. Wow. Je suis tombé dessus. Je suis tombé dessus. Y a pas de casier là. Y a pas de casier. Je suis obligé. Faut que je trouve une solution. Par où je fuis après? Oh là là! Allez, c'est parti. Ouais, vite. Je suis perdu, je suis complètement perdu. Mettre là. Je pense que je risque rien. Oh putain! Oh putain, elle est juste là! Oh mon cœur, putain! Ok. C'est là, c'est là, c'est là. Non! Oh putain, ce que j'ai fait! Wow. Ok, on voit rien. Ah là là, oh putain! Ça fait mal. Ça va pas du tout, hein. Oh merde. T'es pas peur, t'es pas peur. Le docteur est mort, tu le sais, hein? Quel genre d'expérience peut faire le docteur sur des patients vivants? C'est toute la foutue question.
T'es sûr que t'es sympa, toi? Bon, je vais essayer de respecter le format d'un quart d'heure. Du coup, je coupe les pi... Ok. Je disais, je coupe l'épisode là. L'épisode 5, donc du coup je le conclue comme ça. Tant que je suis à peu près au calme. Et je vais relancer donc sur l'épisode 6 au même endroit où je vous ai quitté. Voilà, pour essayer de pas trop déborder. Du coup le stream continue en tout cas pour ceux qui sont là. Et à tout de suite pour les streamers. Et du coup, ben, ciao ciao YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Je l'ai jamais dit jusqu'à présent. Mais voilà, en tout cas, ça aide énormément. Voilà. Allez, tchou!